Re! Non! B2! Ah bah elle est pas mormasse alors. Re. Bon. On va continuer notre quête. À coups de hache lourde et de fusil. C'est-à-dire un monsieur qui a besoin de nous là. C'est qu'un marchand, c'est pas grave. Oui, mais si, c'est important. Ils vendent des trucs swag, les gens là, comme ça. En plus, il est au-dessus d'un kebab. Elle va peut-être vendre kebab. Hein. Je galère à monter. Yep. Coucou, messieurs. Tu vois, ils vendent même un. Moi, ils me vendent même un pistolet si je veux. Donc, 10 flèches explosives, les câbles électriques. Ils vont un truc qui m'intéresse, mais j'ai pas assez d'argent pour. C'est con! Moi, je suis plein en flèches, c'est nickel. Bon, il faut qu'on aille. Atteindre. Il faut qu'on atteigne et qu'on atteigne le toit. Du coup, bah par le tour on faisait tout à l'heure ou... Ah oui, parce qu'on est mort bêtement, oui, j'étais en train de me dire pourquoi on est revenu ici. C'est vrai qu'on est mort. Non. Si, bidou. Du coup, on va pas s'attaquer à ce mec parce que c'est un gros con. Il est surtout plus là en fait. Ah, il y en a un autre en bas. Non, tu m'as pas vu. Qui va là? Je suis pas là. On a de la compagnie. Que tu lui mets une flèche, il sait pas d'où ça vient. On se bouge. Go. Okay, c'est pas par là. Non, bidou fait. J'ai rien dit. C'est par là. Je l'avais dit depuis le début, hein. Heureusement que je suis là. Là par contre. Ah oui. Pourquoi il veut pas grimper? Moi j'essaie de one shot le mec en bas. Un petit peu plus bas. Il est mort. Oui. Par contre, il y en a un autre. Ouais, mais Osef de l'autre. Où il est l'autre? Je le vois pas. Ah non plus, mais je vois sa flèche, donc je sais qu'il est vivant. Et en plus, il tire. Bah oui, mais lol. Ah, il est là. Il est où? Enfin, je le vois à travers l'arbre. Je vois des taches jaunes. Je vois où tu tires, mais je vois personne. C'est bon, il est mort. Attends, parce que là, je crois qu'il y en a. Oui. Oui, effectivement. Il est juste là. Attends, il y en a un que je peux me faire, je suis presque sûr. Faites-lui mal. En vrai, ils prennent un sale recul juste avec des flèches, quoi. Il est mort, ce bâtard? L'autre, je peux l'avoir. Des jolies fesses, monsieur. Quand on m'explique que je le tue avec 4 flèches et le mec est ensanglanté jusqu'à la mort, quoi. Enfin, c'est juste des flèches. Moi, faut qu'on m'explique comment un mec que j'attaque de dos en lui mettant 25 coups de hache dans la nuque, et il arrive à résister. Bon, lui, je vais me le faire. Ok, là, il y en a beaucoup. Pas une grenade, attends. Je vais voir si j'ai pas une grenade. Mais voilà, si, j'ai des couteaux, moi. J'ai chopé des couteaux tout à l'heure sur un mec. Je vais passer par derrière. J'en ai pas fini avec toi. Shuriken. Moi, je crois que j'étais plus planté le shuriken dans toi que dans lui. Fais le malin. Ouais. Allez, viens qu'on en finisse. Tiens, tu fais moins le malin là. Non, j'ai plus de shuriken. Voilà, je t'ai coupé en deux, tu veux quoi? Attends. Ah, je pensais pas à lui. Fais gaffe. Pourquoi ça fonctionne pas? D'habitude? Ouais, non, moi aussi j'ai une attaque avec un chargement au sol là, ou je sais pas quoi là. C'est bugué. Et ça fonctionnait sur les autres. Tu brûles, enculé. Hein. Ça fait du bien. Hein. Ah si, d'accord, c'est juste que j'avais pas le bon. Tiens, fils de... Mais il est où le monsieur? Je l'ai tué, il a disparu.
Pourquoi été supprimé de ce plan de l'existence. Mais vraiment. Et on n'a pas le temps pour le chargement. Oh, une entrée. Pas le temps pour une compétition non plus. Hein. Je vais vérifier dans les autres bâtiments s'il n'y a pas un plan quand même. Ouais, j'avoue, grave. Ou une statuette. Ça va être triste dès que cette hache va me quitter. Il y a une statuette, effectivement. Oh, swag. Faut vérifier dans les caisses, des fois, il peut y avoir des plans. Un godef. Oui. J'arriverai à te faire réagir. Tout à fait, bidou. T'as vu, il y a un largage là-bas. Mes flemmes. Go, go, go! Death! Le cri de ralliement. Go, go! Death! J'ai entendu miaou! 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 On peut pas récupérer les couteaux de lance. Je crois que je suis en train d'appeler le gros. J'aurais besoin de l'assistance du GRE, maintenant! Pas de bol, agent Crane! Vous êtes au ministère de la Défense. Si, je les ai récupérés, les couteaux. Hein ? Il se passe quoi ? Où est le GRE ? Le groupe de ravitaillement et d'entraide est passé au second plan. C'est nous qui dirigeons à présent et Aran est devenu zone cible code 1. Ah, attendez un peu là, vous pouvez pas rester. J'ai des dynamites. Il y a des centaines d'innocents ici, peut-être même des milliers. Aucune importance, c'est pour le bien de milliards de personnes. Vous devez bien comprendre ça. Cette bande de pute. Il y a un scientifique ici, un type du nom de Zéré. Il travaille sur un vaccin, il est près du but, j'ai vu ses notes. Si vous rasez la ville... Je comprends. Je ne vois pas trop comment un scientifique tout seul dans une ville ravagée pourrait trouver un vaccin, mais bon... Vous avez 48 heures. Merci. Fils de pute. Mais non, il est gentil, il nous a laissé 48 heures. Tu parles, c'est un enculé. Mais non, faut pas dire ça. D'accord. On a cherché le docteur Zéré dans ça. Genre, il y a personne pour surveiller ou autre. J'explore partout. J'ai trop peur de tomber, de passer à côté d'un plan. Il faut pousser le bouton, bidou. Merde, c'est cassé. J'y arriverai peut-être en forçant. Super Crane! Wow, wow, wow. J'ai des lags. Hein. Cool. Je sais plus s'il faut descendre en fait, justement, ou monter. On est à l'intérieur, ça y est. Super pédo. Attends. Attends, là, il y a vraiment quelqu'un. Éteins ta lumière, ça va l'attirer. Attends, on peut se la jouer à l'agent secret. Point, point. Mais il me semble que peut assassiner, genre, dans le dos, les gens. Attends, on va attendre qu'il fasse demi-tour. Je vais essayer de l'assassiner. Je sais pas s'il me verra de là. En tout cas, là, pour l'instant, il te voit pas. Je sais pas où il est. Il est même pas en alerte. Ah oui, il est encore là-bas. Oui. Je sais pas s'il va faire demi-tour. C'est la question que je me pose. Hein. Tous les coups, il va faire demi-tour au moment où tu vas vouloir le... Chut. Je suis prêt à lui tirer dessus au cas où. Bon, je lui tire quand même ça, dessus. Ça, c'était trop stylé quand même. Hein. En vrai, cette action est vraiment stylée de pouvoir j'avoue, assassiner. Ça c'est trop stylé dès que tu la joues comme ça. Ce qui est bien, c'est que je ramasse masse couteau militaire. Non, il n'y a rien dans les caisses. Bon, bah, il n'y a rien dans les caisses. Non, pas de compétition. Ta mère, les compétitions, quoi. On peut aller des deux côtés. Ouais, mais garde ta lumière éteinte, par contre, au cas où. C'est bon, ici, il n'y a personne. Là, il y a un mec. Fais gaffe. Ouais. Fais gaffe. Ouais, en plus, il arrive vers nous. Là, ça va être compliqué par contre de l'assassiner. À moins qu'il se retourne juste avant. T'es prêt ? Oh, je crois qu'il s'est retourné. Il est rentré. Ah, mais je l'ai pas le truc d'assassinat, moi. Faut que tu y ailles, toi. Il va se retourner avant. Non, c'est bon. Nickel ! On en plus, bien, il a une putain d'arme si tu l'as. Ouais, prends-la. Non. Produit chimique. Bidou, ils arrivent. Mais on n'a pas de lumière allumée et tout. Bah non, je sais pas. Mais c'est impossible. Genre, ils ont détecté que le mec était mort.
Quoi, genre, j'ai loupé mon coup, le mec savait absolument pas qu'il y avait des gens. Voilà, la licorne, elle est morte. Au secours. Il est mort. Par contre, ça a aucun sens, genre, qu'ils aient détecté. Ah, vas-y, on se soigne entre nous, là, parce que... J'avoue, ça a aucun sens. En vrai, là, je suis un peu triste, tu vois. C'est que je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'on le fasse aussi discrètement au niveau du jeu, tu vois. Ouais, mais bon, en principe, le... franchement, ça va, hein, les bonhommes sont bien faits, c'est-à-dire que... Mais tu vois, ils sont pas venus directement non plus. Ils étaient en alerte, ils sont venus en mode orange. Les bonhommes étaient orange. Ils se sont juste inquiétés de pas le revoir, on va dire que c'est... Ah, ça se trouve, ouais. C'est bon, il a le droit de pisser aussi, s'il voulait. Il y a des couteaux de jet militaire partout, c'est génial. Je les ai vus nulle part. Ah oui, il y a des câbles et tout. Des câbles, j'ai loupé les câbles. Non, j'ai dû les prendre. Ah non, oui, je les ai loupés, vraiment. Il y a plein de trucs, hein. J'avoue qu'ils sont un peu bien, ce spot. Attends. J'ai une petite pioche antique, là. On va l'améliorer avec des plowing. Bon, faut vraiment que je me trouve des... Je sais pas... Ah, faut des gaz et tout. Ah, ok. Tu vérifies que j'ai rien loupé en arrière? Non, ça va. Il y a des gens en bas ou pas? Oui, il y a des gens en bas. Ok. Ils te font... Pour l'instant, il tourne le dos, mais je veux voir s'il fait un mouvement ou pas, donc je vais me mettre là en attendant. Ouais, c'est stylé de se la jouer comme ça. Pour que la vidéo va être méga longue. Hein. Ouais, il bouge. Je sais pas jusqu'où il va. On peut se mettre là pour l'instant. La vidéo va vraiment être super longue. Pas grave. Pire, je ferai partie d'une partie 2. Fouiller. Il y a rien d'autre ici. Il a pas l'air de bouger beaucoup l'autre con. Là. On peut pas passer en dessous. On est vraiment obligé de passer au-dessus. Il y a rien, même pas de couteau. Bah oui. Même pas de balles quoi. Moi je pensais plus à des balles pour le coup. Non, apparemment ici ils ont tiré qu'avec des bouteilles. Genre, on voit que des bouteilles par terre. L'autre a pas l'air de revenir. Hein. Il est au bout du couloir. Il n'y a personne d'autre. Ouais, c'est juste trop classe. Tiens, il y a une deuxième fois l'arme. Elle est un peu moins bien, mais... Mais je sais pas si j'en ai... Ouais, tu vas me dire, j'ai de la place, donc autant la prendre. Hop. Merde, je vais devoir mon tableau de notes. Rien à foutre. Des biscuits, il y a quoi? Ici il y a des explosifs si tu veux la jouer en mode pas discret. De la colle. Bado! Tu vois que tu le fais pas exploser. Faut qu'on aille, Bado! Ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure on la joue en mode discret et là t'arrives, bon bah. Il y a des couteaux de lancer ici. J'ai pas vu zéré à l'intérieur. Ça a l'air vide. Il y a un sous-sol. J'ai plein de petits trucs à prendre. Un accrochetage. Comment il sait qu'il y a un sous-sol? Ah, tu l'avais mis dans la baignoire, moi je le mets dans les toilettes. Mais nique ta mère. Attends, je t'éclaire. Il y a du maquillage. Quoi? Voilà. On peut pas ouvrir cette porte. Non, on peut pas ouvrir cette porte. Commence à avoir des belles armes quand même. Oui. Toi, je te démonte. Si comme ça, c'est un peu étrange. Ah, je te démonte. Bon, bah, on continue notre ascension dans ce bâtiment. Attends, je rééteins. Oula.
Munitions de pistolet et pistolet. Fallait pas. Oh putain, là tu peux vraiment te stuff là. Waouh! Attends, ma carabine elle est considérée comme pleine. Oui, à mon avis, normal. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait l'équiper ce fusil. Enfin, ce fusil de. Ah oui, il est même mieux que celui qu'on a. Non, me dis pas que j'ai vendu tous mes fusils de 2000. Oh le con! Je crois que j'ai Ils vendu. Sont mieux que les fusils militaires. Attends, je dépose mon fusil les militaire. Les fusils de police sont mieux que les fusils militaires? Oui. Ah bon? En tout cas, celui-ci est mieux. Mais regarde mon fusil militaire en bas. Mais tu tires à combien? Avec ton fusil de police là, tu tires à combien? Puissance de feu? 184. Bah ouais, fusil militaire. Il était à 137, mon fusil militaire. Ah ouais, je croyais que c'était l'inverse. Ah ouais, bon bah nickel alors. Je vais équiper mon fusil parce que... Ouais, on sait jamais. Pour qu'on nous donne un équipement d'un coup, là, je sais plus exactement. Voilà, là déjà, je suis plein niveau balle. Ouais, fusil militaire est un... Bon, t'es prêt, Bidou? On peut aller continuer? Attends, j'ai aussi mon pistolet 9 mm allemand qui est moins bien que mon 9 mm américain. Pareil, ça c'était pas l'inverse. Je sais plus. Mais oui, mais ça dépend parce que là maintenant on est plus avancé dans le jeu, donc ils ont dû augmenter la stats. Faut pas prendre le talkie-walkie, c'est pas comme si c'était pratique, genre. Bon, Bidou, moi je continue, hein. Y'a rien ici. Nine. On peut pas se jeter là-dedans. Ah, là y'a du monde. Ouais, y'a quelqu'un. Je sens que ça va être plus compliqué là. Mais mets-toi à genoux, enfin accroupi. En vrai y'a moyen. Il bouge pas. Pour l'autre, je garde mon arme à feu dans les mains au cas où. Mais y'a moyen, il part. Normalement, ça va attirer son attention, par contre. Non, tu vois, là, c'est un militaire, il est moins haut. Ouais, non, mais... Ah, par contre, j'ai un truc à faire, boum. Non, mais attends, je pense qu'on peut l'avoir. Si on se met comme ça, à son retour, je peux essayer de l'assassiner, si je me mets là. Je crois pas qu'il aura de retour, hein. Il bouge pas. Bon, enfin, là, il est en pleine lumière, ça me fait un peu plus peur, tu vois. Pire, Putain, en vrai, je peux lui mettre une balle. Il meurt. Attends, déjà, là, je peux voir s'il y a d'autres personnes. Quoi? C'est quoi ce ninja, genre? Ah, repli. Genre, le mec a senti ma présence, j'étais accroupi, il se passait rien. Moi je l'avais en joue, du coup le mec a pas dû assumer en fait. Toi en flux. Ah! Laissez-le moi! Je sais pas où t'es, Bidou. Je suis en hauteur. Ah! D'accord. T'es pas en hauteur, t'es mort. Ah, d'accord. Ça c'est pour signaler ta mort. Putain, j'arrive pas à viser. Il est où? Oh que ouais. Oh merde. Bon bah. Oui bon bah. Voilà, je suis mort aussi. Non mais ce mec c'était un putain. Par contre. Ça, en vrai c'est dommage, c'est trop stylé ce qu'on est en train de faire. Quoi attends, on va ripop. Non mais là je pense que c'était un peu scripté parce que tu vois, il y en a d'autres qui sont arrivés, ils étaient pas annoncés donc. Enfin ça m'étonne pas qu'ils rappliquent tous si on... Ah mais attends, il reste plus que les deux à tuer, donc ça se trouve ils sont... Fais gaffe. Parce qu'ils sont pas du tout à l'affût les deux autres maintenant. Pente, il est où mon pistolet? Enfin mon fusil, pardon. Moi aussi il est à l'affût. Putain, il lui restait une balle allumette quoi. Faut les fouiller.
Ouais, faut prendre. Vous faites quoi? Il est où? Ah oui, effectivement, oui. Là, tu me mets en pédale. En plein dans le cul. Non, mais c'est quoi ce mec? Il arrive à mettre des headshots même en bougeant. Ah, ça m'énerve. C'est bon. Bouge pas, je vais te soigner. Tout ça parce que c'était scripté. Je suis sûr qu'en vrai, on pourrait tous les avoir en apparence si c'était pas scripté. J'étais sûr qu'il allait faire péter le truc, j'allais le faire péter dans 2 secondes. J'ai du mal à viser. Moi aussi, je trouve que c'est pas si simple avec ça. En fait, le problème, c'est que c'est ultra sensible, donc à partir du moment où tu essaies de bouger un peu. Ok. Repli. Reply. Il y a vraiment des munitions partout, par contre, ici. Il était temps. Il est où le mec? Putain. Allez, glisse. Quoi? Elle est où la physique du jeu? Tu peux venir me soigner, s'il te plaît, ou pas? Sharif. T'as besoin de soins ou pas? Non, c'est bon. Par ici. Ils sont où? Je les vois nulle part. Ils sont tout au fond. Bédou, j'y vais en mode à la Wakbal. D'accord, j'y vais pas en mode à la Wakbal. On va, y a moyen. Yeah. Oh, je te tiens, salopard. Oh putain! Bon, j'aime bien. Ouais, non, mais vu le temps qu'on met à faire ce truc, les deux épisodes seront en partie 1 et 2, du coup. Enfin, les deux parties plutôt seront en partie 1 et 2. Tu m'as fait mal! Il était temps! Tu m'as volé mon kill! Non, j'ai pas tiré sur le même que toi. Mais si, t'es sur lequel j'avais tiré déjà. Mais ils sont trop intelligents, putain. Je pense qu'ils réfléchissent pas trop quand ils font ça. Putain, j'arrive. Oh, pas Bidou, t'es où? Ah, t'es là. Prends soin mutuellement, ok? Tiens, Bidou. Yaa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 a
Je vais mourir. Mais mes notes ne doivent pas disparaître avec moi. Vous n'allez pas mourir, Doc. Mais chut, il faut qu'on file. Et s'il vous plaît, parlez moins fort. Ok. Juste une chose. Il faut que le docteur Camden récupère mes notes. C'est pour ça que j'ai donné les paquets à Jade. Je sais que c'était toi qui devais les livrer. Mais je l'avais sous la main, alors... Doc ? What ? Ils se sont téléportés, hein, parce que vu le temps qu'ils ont mis... Notre cher docteur, notre bon docteur décide enfin de parler. Retrouve le scorpion, à tout prix. Avec plaisir. Et ces deux-là, on en fait quoi ? Vous la trouverez jamais. Jamais. Et je dirai rien. Rien, jamais. Pour l'instant, je veux juste vous empêcher de vous enfuir tous les deux. Espèce de sadique ! Un homme de son âge ! Soignez le docteur d'urgence. Et jetez Crane dans l'arène. Oh ouais. Oui, l'arène. Ah, j'avais oublié.